des conditions de circulation très difficiles sont annoncées demain matin à Tours. Oui, il est recommandé d'entrer dans la ville avant 8h45 car après, les choses sérieuses commencent. Le désamorçage d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale située sous le pont Saint-Côme à Fondette, une manœuvre qui va nécessiter la fermeture de plusieurs axes, dont le périphérique de Tours. Clémence Dosque. Attention, route barrée aux alentours du pont de Saint-Côme ce jeudi 12 octobre. Les zones les plus proches de l'opération de déminage devront être évacuées pour des raisons de sécurité. Cela concerne aussi bien les habitations que les commerces. L'établissement devra tout simplement fermer ses portes entre 8h30 le matin et 15h l'après-midi. Donc perte de chiffre d'affaires, mes salariés à payer, les charges qui bien sûr ne sont pas suspendues. Donc du bonheur. Pour se rendre au travail, les automobilistes concernés devront s'armer de patience. Entre Saint-Cyr-sur-Loire et La Riche, la rocade sera fermée dès 8h45. Aux abords de l'agglomération, ça risque de bouchonner. Moi directement non, je ne suis pas concernée, mais oui, j'ai de la famille qui travaille et qui donc va devoir faire un détour. Je suis à l'ITS, l'école de l'ITS, et du coup le matin, je dois partir presque une heure en avance déjà alors que j'habite pas loin. Et du coup là, je sais pas, demain... Ça va être super compliqué. Sûrement falloir faire des grands détours par les bas de Saint-Cyr et remonter un peu dans les petites routes. Donc prévoir le trajet bien en avance. La préfecture d'Indre-et-Loire recommande de différer ses déplacements dans le périmètre de sécurité. Pas de circulation entre la porte de Tours et la rue du Docteur Chaumier près de La Riche. Entre Saint-Cyr et Fondette, une partie des quais de la Guinière et du quai des Maisons Blanches seront barrés, de même que la rue des Hautes Roches. Toujours dans cette zone, les quais de la Loire seront évidemment inaccessibles aux piétons et aux vélos. La bombe de 500 kg sera neutralisée avant d'être évacuée par hélicoptère. L'opération devrait s'achever dans l'après-midi.